Pierre-Louis me présente Sidreux Mété Comté. RTV 95.7. Bonjour. On ne peut raconter l'histoire d'une ville sans respecter sa chronologie, c'est-à-dire sans se référer à des dates bien situées dans le temps. En 1957, Monsieur Aubreton, un instituteur de l'école Ferdinand Buisson, avait inventé un système visuel imparable pour faire comprendre la chronologie historique à ses élèves. Il tapissa 3 des 4 murs de sa classe d'un ruban de papier de 20 mètres de long, d'environ 30 cm de large et à 1,50 m du sol pour être à la hauteur des yeux des gamins de 12 ans. Ce ruban de papier représentait à raison d'un centimètre par an les 2000 années passées entre moins 50 avant Jésus-Christ et 1950. Les dates les plus importantes y étaient indiquées accompagnées d'illustrations. Suivons cette machine à remonter le temps. Au départ, sur le mur intérieur, après la porte, nous sommes en l'an moins 50, Vercingétorix s'incline devant César. 50 cm après, c'est l'an 0 et Jésus-Christ. Puis, sous les porte-manteaux, les Gallo-Romains, au bout de 5 mètres, Clovis et son vase de Soissons, au fond de la classe, à l'angle des deux murs, à 8 mètres, c'est-à-dire en l'an 800, Charlemagne et sa barbe fleurie. En continuant, au milieu du mur du fond, au-dessus des meubles bas, la peur de l'an 1000. Ensuite, l'histoire s'accélère. Après 14 mètres, sur 1 mètre, la guerre de 100 ans. À 15 mètres, la fameuse date de 1515, Marignan. Puis, en tournant à nouveau et en longeant le mur sous les fenêtres, les guerres de religion, Louis XIV. Puis, 2,50 mètres avant la fin de la bande de papier, seulement 15 cm pour la Révolution, 12 petits centimètres pour la glorieuse aventure napoléonienne, 40 cm avant la fin de la bande de papier, 4 cm pour la boucherie de 1914-18 et à 10 cm les 5 cm de la Deuxième Guerre mondiale. Cette représentation chronologique de l'histoire de France montrait bien le rythme de l'histoire, de longues périodes de calme relatif et de courts événements aux conséquences multiples. Il m'arrive encore de situer mentalement un événement historique sur le mur de la classe de M. Aubreton. L'histoire de Dreux peut très bien s'inscrire sur ce modèle, car j'ai l'habitude de dire que l'histoire de Dreux est le miroir de l'histoire de France. La prochaine fois, nous commencerons la chronologie de l'histoire drouaise en partant de la porte, c'est-à-dire à moins 50, avec nos ancêtres, les Durocasses.